original. Le seul et l'unique, le véritable code, le vrai code. Yaouli Moucheni, Bambote Belenayo, Dilon Mampouya. Donc, depuis Bruxelles, Bambote Belenayo, Neri Monduka, Soirée Lekai Kitoko, Alobia, Auré Bandelango. Là, je suis avec Maître Manix, Odija Nampé, ça y est. Bonjour et puis soyez le bienvenu. Hein. Bonjour et grand merci. Merci pour la hospitalité, merci pour la gentillesse, merci pour l'accueil chaleureux à ma frère, à ma soeur, à ma biseau congolais, autant pour les Africains. Ben on se sent très à l'aise, on se sent en famille. Ben voilà, on est tous des Congolais, donc talaga bande ou la soubaye. Il faut toujours et puis presque nous faire la biseau yango. Et puis, premièrement, bah, le watan m'soussou. Ah, Coco, il a nous fallu foutre. Les mauvais gens aussi, bah, le bama finga. Toi, critique Nayo est fou, tio. En tout cas, je ne suis pas dans le deux cas. Parce que je n'ai jamais insulté quelqu'un. Bien au contraire, j'ai toujours dit la vérité. Et je ne suis pas contre un artiste parce que musicien congolais, bangonien, on se voit ça la fierté
il y a culture musicale, il y a Mboka na Biso. Autant que je suis venu pour assister au spectacle de Fally Ipupa, je le ferai autant pour Koffi Olomidé, pour JB, pour tous les autres. Donc aujourd'hui, je vais dire Toza Awa Penza pour que to assister artiste na Biso, totala comment Azako évoluer Awa sur le sol musical français. Mais en même temps, ça sera aussi une opportunité pour faire le jumelage, le brassage des cultures entre la culture musicale congolaise et la culture musicale française. Comment fonctionne l'industrie musicale française? Awa bazana ba infrastructure nini en termes de salles de spectacle, des studios d'enregistrement, des maisons d'édition et tout le reste. Et même le niveau de l'investissement dans ce secteur de la musique, parce que chez nous, au Congo, je crois que les opérateurs économiques n'investissent pas autant d'argent dans ces secteurs aussi importants et générateurs des revenus. Vous avez vu le spectacle de Fally Ipupa à Paris Arena La Défense, avec un prix très catégoriel. Et si nous faisons la moyenne de 82 $ par rapport au nombre de participants à ces concerts, vous aurez le chiffre de 3 millions et quelques mille dollars. Et donc, Logar a généré beaucoup d'argent au profit de son producteur, de lui-même, mais aussi au profit de l'État français. Surtout que l'État français prélève des taxes sur chaque billet vendu dans un spectacle sur le sol musical français. Et donc, ici, notre passage, c'est dans le cadre d'un voyage culturel avec un thème précis, la musique et l'économie. Et ça, c'est que tu as publié. Exactement. Ah, donc, moi, mon voyage, c'est vraiment culturel. Et je vais développer. Tu vas faire aussi des investigations. Des investigations, des rapprochements, de contacts avec des officiels culturels français. Et pourquoi pas. Et question de savoir comment les politiques français élaborent de politiques publiques dans le secteur de la culture et plus particulièrement dans le secteur de la musique. Et donc, je suis ici pour la culture de manière générale parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a la sculpture. Il y a la dramaturgie, il y a le cinéma, il y a la peinture. Il y a bien de choses que le Congolais peut développer en termes de vitrines culturelles pour vendre nos valeurs culturelles dans le concert de nations. Et là, je suis là pour assister Fally Ipupa, assister à son concert et faire d'autres investigations, peut-être d'autres contacts aussi avec les officiels français. Entendez-vous quoi par rapport à ce que vous avez dit par rapport à ce que vous avez dit vous avez vous êtes dit que vous avez dit que vous avez par rapport au temps que vous avez dit que battre avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Congolais. Tu attends aussi de ça que vous avez pour que Congolais. Non, il faut que vous avez victime comme une organisation, comme une société. Vous voyez, chaque société, quand elle organise des activités, il y a toujours une brèche ouverte pour les invités. Même quand la Gécamine veut explorer une des ressources minérales de notre pays, la Gécamine peut toujours inviter les gens pour participer à cet exercice. Et aujourd'hui, Fally veut qu'il y ait des invités pour voir comment il est en train de porter haut le tricolore national de notre pays, le drapeau du Congo. Et c'est un grand plaisir d'assister notre artiste dans ses différents spectacles parce que Fally n'est pas que Congolais, Fally n'est pas qu'Africain. Fally, c'est un artiste international, un artiste mondial. Et donc, moi, c'est un grand plaisir qu'il soit Congolais. Et c'est un devoir d'assister et d'apporter mon soutien indéfectible à un compatriote congolais. Attendez-vous aussi de soldats dans cette concert? Déjà, pour quelqu'un qui a fait Paris Arena La Défense, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise, l'impossible n'est pas Fally Ipupa, je le pense. Et donc, le plus grand défi, excusez-moi, le plus grand défi peut-être, c'est ce que les gens ne réalisent pas. Fally essaye d'imposer sa notoriété artistique au-delà de Paris. Alors là, c'est le Lyon, là, c'est le Bordeaux. Et donc, ça prouve la force de l'artiste, la force de la culture musicale congolaise. Et on ne peut que l'accompagner partout. Si aujourd'hui les gens disent que Fally Ipupa ne laisse pas d'autres artistes qui puissent évoluer, donc il est là peut-être pour mettre des mains noires, caler ou... la polémique et la fatigue, ça rend encore beaucoup plus fatigant. Et moi, je ne suis pas venu ici pour de polémiques inutiles. Je vous ai dit, la main noire n'existe pas. Si Fally bénéficie de tout le respect de la part de la France, c'est à cause ou grâce à sa notoriété, grâce à son travail. Je vous ai dit, pour Paris Arena La Défense, le gars a vendu le billet à un prix catégoriel. Et si vous faites la moyenne de 82, parce qu'il a vendu le billet de 57 euros
à 100 et quelques euros. Et donc, si vous faites la moyenne de 82 euros multiplié par 42 000 personnes participantes à ces spectacles-là, vous avez 3 millions et quelques mille dollars. Et donc, pour ces spectacles de 2 heures, le producteur de Fally a tiré le revenu, lui-même a gagné, mais aussi l'État français a gagné. C'est-à-dire pour quelqu'un qui gonfle le trésor public français, je ne pense pas que la France peut lui réviser le visa. Donc c'est tout à fait normal que la France respecte autant cet artiste parce que Fally fait entrer de l'argent en France. Et nous, nous voulons que Fally fasse autant chez nous, au Congo. Voilà pourquoi nous devons mener des grands plaidoyers dans ces secteurs de la culture, dans ces secteurs de la musique, pour que les autorités congolaises tiennent vraiment en compte un secteur aussi important, parce que la musique, c'est aussi un créateur de l'emploi, un moteur de la croissance économique. La musique, c'est aussi un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité nationale. Ne perdez pas de vue, lorsque nous avions eu des problèmes dans ce pays, nous avions chanté Dieu et Amuse au nom de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Lorsque nous avions voulu promouvoir notre monnaie nationale, nous avons chanté franc-congolais. Et donc la musique, c'est un grand carrefour pour le développement socio-économique de notre pays. Et donc il faut que les autorités congolaises considèrent autant ces secteurs aussi importants pour l'avenir de tout un peuple. Merci beaucoup. Vraiment, c'est à moi de vous dire merci. Pour en finir, je ne sais pas, il va falloir pour pas rester à Kinshasa, double date, le 10 et le 11, Stade du Martyr. Les terrains risquent d'être pour un artiste. C'est un gars qui aime bien le défi, c'est un gars qui aime le challenge. Au-delà de double stade de martyr, il a osé pour le stade de France. Excusez-moi. Ouais. Et donc, déjà qu'il a osé pour Paris Arena La Défense, ils ne sont pas nombreux ici en Afrique, ils ne sont pas nombreux ici en Europe, ils ne sont pas nombreux ici en France. Et donc, s'il ose le double stade, je crois que le gars va relever ses grands défis parce que c'est un homme de challenge. Okay. Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. Si un souci, dans le canapé, et puis tout plaisir, aussi, plaisir, on aura le temps. Merci d'avoir intervenu au Batali Bissot dans le monde entier. Merci d'avoir été dans la piche en Kim, les soldats de la presse. Vous partagez, vous likez, vous tirez vos commentaires. Si il y a un souci, vous commettez la mission dans le numéro où ils ont affiché. Voilà. Donc on est là pour travailler, pour vous informer. Et puis c'est notre devoir de vous informer. Le seul et l'unique, le véritable écho de Yahweh Moucheni, Bambo Tebele Nayo, Diezo, la London City, agence assure des frais pour envoyer de l'argent à Koli Marambutu 30. Tendez. Harry Markade, donc au Tindi Biloko, le Lolo bien commis. Et puis, Chiquito Papa Paradis, chez Son Zembe, les voix, Maudilom Ampouya, Lionel Bosset et Bourgileur.